Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Alain à CRC Genève, bienvenue à toutes et tous. Je vous convie pour un petit run, premier run de la Tamiya TT Chassis TT02, optionné avec le kit Year Racing. Donc je vous ai sûrement fait la présentation la vidéo précédente, ou peut-être qu'on fera la vidéo suivante, au choix, je fais comme je veux. donc voilà, carrosserie mise au goût du jour. Donc c'est la carrosserie du modèle Audi V8 Touring 1991, sauf que j'ai décidé de faire la peinture, alors avec gris et jaune fluo, mais normalement c'est une couleur qui est un peu, c'est pas argent mais presque, en fait c'est une couleur gris métallisé prononcée avec le rouge, hein. C'était ça la couleur d'origine de cette voiture de course DTM qu'on appelle maintenant. Et en fait là j'ai fait le design de qu'ils avaient en course sur l'année 92-93, je crois. Voilà, donc allez, rapide aperçu, je vous remonte la carrosserie. Je sais pas, je vais baisser la tête pour voir si on va bien. Voilà. Et voilà comment c'est dedans. Dedans, on a alors un Max 10. On a un moteur 3652 qui fait 5400 kV. Donc on va voir si ça va. Pignon, enfin en tout cas denture d'origine, comme je vous ai montré. Et puis on verra s'il faut adapter le tout. Voilà, donc le kit Year Racing, c'est tout ce qu'il y a de bleu. Sans plus attendre, on va faire ce premier run qui, j'espère, va être pas trop mal. J'ai toujours un souci de mettre les plots de carreaux. Allez, voilà. Donc j'espère que j'ai pas perdu. Non, ils sont là. Hop, 1, 2, 3. Le quatrième est là-dessous. Donc j'espère qu'il va falloir... Il y aura sûrement du réglage à faire, hein. Donc on verra. On verra pour re-régler tout ça quand je retournerai chez moi. Mais pour l'instant, on va faire avec. On fera juste les réglages à la radio si nécessaire. Voilà, c'est parti. On se revoit pour le run. À toutes. Alors maintenant, la direction, hop. Ouais. Les pneus tiennent rien. J'aurais dû mettre des pneus neufs. Ah. Ouais. Ah purée.
mètres d'accélération. Alors, je vais mettre de l'expo sur les gaz parce que vu que j'ai pas ma carte de prog, j'ai le punch qui est à 3. Je baisse le punch, hein. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a enlevé l'expo. Si je mets à 30. Ah, ça va mieux. Ah, c'est mieux. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le dans les commentaires. Pour l'instant, on fait plus voiture de drift que d'avoir la possibilité d'aller sur un circuit, quoi. Bon, franchement, je lui ai pas mis les meilleurs pneus du monde. Mais dès que tu fais un écart, elle part en cacahuète. Hop. Oh là là. Oh, les pneus sont rincés. Bon, remarque aussi. Bon, et puis ils sont encore tout froids. Bon, après c'est aussi une voiture qui est quand même plus étroite. C'est plus étroite qu'une T4, qu'une Touring normale, qui fait 190 mm de large. Elle, elle en fait 170, je crois, 175. Va droit, nom d'un chien.
Il n'y a plus de pneus. Ah, je vais les bouffer jusqu'à la corde là. Aïe. Bien. Le bilan, c'est que... Eh bien, je vais la mettre sur le banc, on verra bien la gueule que ça a. Je ne l'ai pas encore fait. Hein. J'ai acheté un banc 1/10 Touring pour la X-Ray T4. Donc, je vais lui mettre sur le banc, ça fera pas de mal. Ça devrait pas lui faire de mal, puis voir comment c'est, si on arrive bien à la régler ou pas, avec ce kit E-Racing. Et puis, je lui mettrai des pneus neufs. C'est sûr que la prochaine fois que j'irai sur circuit, je la mettrai en place. Enfin, je la mettrai... Je dis n'importe quoi. Je la prendrai avec moi. Que ça rivalise à une T4, hein, il faut pas rêver. Et puis, quoi d'autre? Je pense en lui mettant moins de patates, peut-être que je vais baisser aussi les pignons. Là, il a le 22 dents d'origine. Mais je pense qu'avec le 5004, ça va beaucoup trop. Là, par exemple, là, je vais moins vite. Je suis à peu près à mi-gaz. C'est pas mal. Puis... Ouais, mais quand je relâche les gaz et puis que je vais à peine tourner, la voiture, elle part en cacahuète. Bon, c'est sûrement beaucoup dû aux pneus. Ou c'est parce qu'elle est peut-être trop légère. D'ailleurs, je ne l'ai pas pesée. Tiens, il faudrait que je la pesée en rentrant. Là, j'ai rien fait. C'est pas possible. Rester au soleil. Ouais. Bien. Sur ces belles images et ces constatations que c'est une voiture très très cool. Puis bon, elle claque quand même, faut avouer. Elle claque. Mais on arrive sur un bilan qu'on s'amuse bien avec, mais qu'elle a besoin de pignoler un peu ses réglages, des derniers petits détails. Et puis, on la reroulera avec une fois que tout ça sera fait. Hein ? Je vous dis à tout bientôt et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, bon week-end, bonne fin de journée. Tchuss !